Oui, normalement ça marche. On est sur visage, dans, dans le jeu visage. Sur le jeu visage, avec le jeu visage aussi. On va continuer ce qu'on avait fait. Et on était au chapitre de Lucie. Alors je sais pas où ça m'a arrêté, mais on va voir ça. Et je crois qu'on était dans une phase où il fallait que je cherche encore plein de trucs. Bon, on verra. Oh la vache, les bruitages. Oh punaise, la bruit flotte sur ma gueule, ça m'énerve déjà. J'ai ma santé mentale qui descend tout de suite. Oh, je me mets en QWERTY. Je m'étais mise en QWERTY. Ah, il y a la porte qui s'est fermée, faut que... Oh, ça va être chiant, il va falloir que je me trouve un endroit où gérer ma santé mentale. Ici, c'est bon, quoi. Je crois que si je suis là... Quoi ? Et ici, c'est pas bon non plus. Non, faut que je trouve un endroit où ma santé mentale ne descend pas. Ah, ici, ça va, je crois. C'était ça, le gros souci, c'est que bah maintenant, j'ai plus de lumière... J'ai plus de lumière normale, on va dire classique. Je suis obligée de me démerder avec des bougies, des conneries comme ça. Mais du coup... Oh! Ah mais je meurs comme ça? Bah merde! Ah, quand les lumières clignotent, ça veut dire qu'elle est là. Ça commence bien grave. Je m'attendais pas. J'avais pas vu elle. La poupée. Du coup, bah si les lumières font ça... Et que moi qui lag? De quoi ça lag? Vraiment, j'ai eu des soucis techniques hier, donc vraiment dites-moi si ça lag. Faut que je sache. Je me mets là. Ah, ça va mieux ici. Ça devait être Lucie, mais c'est ça. Lucie, c'est la gamine, du coup. Mais là, on a plutôt vu l'esprit, donc je sais pas si c'est Lucie, en fait. Mais Lucie, c'est la gamine maudite. Alors, attendez, je vais mettre ça dans ma main gauche. Voilà. Faut que j'allume une bougie rapidement, je pense. Mais mince, comment je peux l'empêcher de me taper? Mais je la vois pas. J'ai pas de problème à ce qu'elle soit vachement plus forte que moi. J'ai l'habitude dans la plupart des jeux, mais j'ai un peu un problème avec le fait que je ne peux pas savoir quand est-ce qu'elle arrive. Là, ok, elle est par là. C'est peut-être là qu'elle spawn, donc je vais pas y aller. Du coup, je vais où? Et je me remets là tant que je... Parce que j'ai pas... quand je spawn, j'ai pas... J'ai pas ça dans ma main. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Et là, je vais sauvegarder maintenant. Voilà. Et là, je suis complètement obligée de la laisser allumer, même si le son m'énerve, c'est une source de lumière. Je pouvais allumer un truc? Non mais non, mais dégage. Est-ce qu'il n'y a pas une petite bougie ici? Que nenni. Ah, il y a un autre briquet, je le prends. Cette porte là. Il y a des bougies qu'on peut placer, mais voilà. Je vais descendre. Je vais suivre encore les interrupteurs, c'est ça? Il y a pas une petite bougie à foutre ici? Non. Ah oui, ils vont jusqu'à ici, c'est vrai.
Là, il y a une bougie allumée. Elle est allumée. Ah là, j'ai allumé des bougies. Ah merde, elle arrive. Je ne sais pas par où. C'est trop chiant. Voilà, quitte à le tap parce que bon, le son... On peut pas passer cette animation. Ça faisait 3 jours que la lumière dans l'escalier pour aller au parking de mon immeuble était morte. Et là, ce matin, on me dit, l'ampoule n'était pas morte. On a volé l'ampoule. Il y en a qui sont d'une radinerie. Ah oui, j'avoue. Après, t'es en galère chez toi, bon bah voilà, tu sors. J'ai sursauté, c'est normal. C'est Vibourg. Mais comment je fais, moi? Faut peut-être que je la prenne en photo, mais tout à l'heure je l'ai fait, je lui ai rien fait. Hein. Bah, ça sert à rien d'avoir sauvegardé là. Ouais, c'est ça, faut que je suive l'interrupteur, bah je vais... Enfin, je pense, c'est ce que je faisais avant. Ah mais non, mais ils vont jusque là. En fait, faut que je les suive. À partir de là, c'est l'inverse en fait. Mais je l'avais fait ça déjà. Ouais, je sais pas où il faut que j'aille. Ça m'emmène à l'étage, mais à l'étage, bah elle y est. C'est un peu chiant. Ah, ça mène là. Ah oui, jusqu'à la chambre de Lucie. Qu'est-ce qu'il faut que j'y foute ici? Le problème, c'est que ma santé mentale, là, va pas bien du tout. Il y a des bougies nulle part, en plus. Oh, si, il y en a une, là. Merde, je l'ai ramassée. Je voulais pas du tout la ramasser. Allez, lâche! J'ai acheté l'appareil photo. Ça m'énerve. Par contre, ici, il y a clairement un objet qui fait péter un câble. Vous entendez le bruit? Un bruit trop bizarre quand je suis dans le placard. Examiner. Hein? J'ai trouvé un cadrage étrange. Ah, j'ai trouvé un cadrage étrange. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un peu un jugement artistique quand même. Il y a de l'agneau dans le tiroir des parents. Pauvre vieux Johnny Walker. J'ai trouvé un cadrage étrange. Oui, d'accord. Ça m'aide pas beaucoup, hein, à savoir où je dois aller après. Éclaire bien en tout cas, là, l'ampoule, je l'ai mise dans ma cour. Oui.
pas servir de sécurité, je vais aller à la bougie. Parce qu'apparemment, je me sens super mieux quand je suis à la bougie. Peut-être que j'aille dans la chambre de la gamine. Je vais aller par là. Je vois pas ce que j'en ferai du cadre, quoi. Bah, je vois peau. Ça m'a vu emmener ici, hein, les interrupteurs. En fait, ça a monté les escaliers. Et après, que dalle. J'y suis allée juste par... bof, parce que j'avais pas beaucoup de choix. En fait. Hein. Ouais, faut que je prenne en photo. Mais oui, c'est ça. Faut que je prenne des photos dans la chambre de la petite pour savoir si... s'il y a des formes, des trucs. Je pense que c'est ça. Et dalle. La chambre des parents où j'ai trouvé le 4 peut-être. Faut que je descende au sous-sol pour essayer de rétablir l'électricité. Oh, un paquet, je prends. Ça met zéro tout ça. Mais à chaque fois que j'interagis avec une lampe, ça me dit tout semble fonctionner normalement. Mais la lampe, elle s'allume pas. Si je vais par là, elle va encore m'attaquer. Ouais, c'est sûr que oui. Des fois, ça fait apparaître des traces que je dois suivre. Moi, j'avoue, ça fait un peu paparazzi, ouais. Mais bon, je fais ce que je peux aussi. Oh, il y a des clés. Clés du sous-sol. Oh. Ok, presque vite. Pas grave, il y en a plein. Là, il y a la méchante. Mais j'ai à peine d'arriver. Mais comment je peux la fuir, elle? Faut que je la prenne en photo, peut-être? J'ai pas le réflexe. Je pense que c'est ça, en fait. Faut que je la prenne en photo. Ou médecin légiste qu'il faudrait faire du crime. Oui. Bah, surtout le bruit. Mais sur ce encore. Ah, c'est que ça fonctionne, hein. Donc faut que je descende chercher les clés, tout simplement. Le cadre, mais le cadre, est-ce que je l'aurai sur moi? Non, bah, je vais aller chercher. Du sous-sol.
Ah ouais, c'est peut-être un indice. Sur un queutru. Voilà. Est-ce que si je sauvegarde maintenant ça marche? Je pense pas, mais bon, je vais tenter. Du coup, je vais descendre chercher les clés, puis je vais essayer d'atteindre le sous-sol. En toute logique, il faut descendre pour le sous-sol. Mais je me rappelle pas avoir vu une porte qui nécessitait une clé. Là ? Clé du sous-sol ? Ah bah si ! Trop forte ? Mais ! Elle vient de manière totalement aléatoire ! Elle vient de manière totalement aléatoire. Je suis censée faire quoi? Bon, ça m'a fait spawn là. J'ai pas ma progression. Ça sert à rien cette putain de sauvegarde. Hein. Je vais charger. Ah, peut-être. Peut-être que si je charge, voilà. Pense à save. Mais oui, mais bon, j'ai même pas eu le tour là, je suis à peine rentrée. Mais en tout cas, je charge ma save. Ah, ça fonctionne. Bah, il pourrait me la... Enfin, bref. Je fais une sauvegarde, c'est pour la charger quand je meurs. Ou quand je pars. Il est con, le jeu. C'est chiant, ça, mais oui. Je veux dire... Mais je suis sûre que les photos peuvent la faire fuir. Mais faut que j'ai le temps de faire la photo, quoi. Je me dépêche, hein. Voilà, sauvegarde maintenant. Sur le truc 3. Voilà. C'est du garage. Quoi? Ça doit être là. Je peux le siper autrement. Sinon, c'est un petit peu abusé en fait de m'avoir juste ouvert ça. Et en plus, j'arrive pas à ouvrir ce. Ah. Ah, d'accord, super. J'ai vraiment trouvé une clé juste pour ça? Pour cette merde là? Oh, sonneuse. Oh, please. Bon. Bah, ça c'était J'ai fait fuir là, hein. Ça a marché, non? Alors, je fuis pas mal aussi là. Ah. J'arrive ici. Ah ok, j'ai un raccourci. Sauvegarde. Je vais mettre sur celle-là. Hop. Mais j'ai pas l'impression d'avancer en fait. J'ai pas trop l'impression d'avancer l'eau. Punaise. Mes voisins ils font trembler mon sol.
il avait pas les clés du garage là-dedans? Mais si. Non, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà interagi. Mais si, mais je les avais les clés du garage. Ah, je dois me tromper. Peut-être des clés d'autres trucs. Là, si je descends, ça me mène où? Je vois R. Là, c'est quoi? Du garage. Mais merde! Mais j'étais sûre de les avoir, les clés du garage. Chiant. Je vais essayer de trouver ici des trucs, hein. Regarde, hein, au cas où, je sais pas, il y aura une clé collée derrière un cadre. C'est de rester son temps dans l'obscurité. Je suis pas dans l'obscurité, il y a une super télé là. Bon, bah, faut que je trouve la clé du garage, je pense. Mais je suis même pas sûre en fait. Ah oui, mon briquet il se vide. En même temps, mais j'ai pas d'autre solution quoi. Là c'est où? Ça me mène ici, ok. Bon. D'accord. Attends, faut que je fasse ça. Ça et ça et ça. Je peux pas utiliser ici. Hein? Un briquet? C'est fantastique ça! Non mais je peux pas utiliser mon briquet, enfin please! Bon, je vais dans cette pièce là, au moins ça ira. Pourquoi je peux pas utiliser ce putain de briquet? Je vire. F1. Allez! Super, je peux quand même mourir à cause du... Non mais pourquoi je peux pas utiliser mon briquet? Du coup, bah, j'arrive pas à partir. Je vais tester, je vais pas tester le téléphone. Allez! Bon. Ah, c'est le cadre! Putain, mais oui, c'est le cadre, t'as raison. Je suis confondu avec le briquet, mais j'avais ramassé un briquet! Il est où? Oui. Il y a un sauvegarde auto, non. Je devrais faire dernière save tout court, pas sauvegarde auto, parce qu'il me fait des sauvegardes auto n'importe où. Elle était déjà en train de m'attaquer, hein. À peine spawn. Si, il s'allume pas le cadre. Pourri quoi. Oh, le cadre tout bidon. Bon bah ça m'emmerde. Si tu veux pas. Bien, j'ai pas de briquet quoi.
Ouais, ça l'a fait fuir. Nulos. En vrai, je dois aller là-bas, donc je vais y aller. Je vais aller où, en fait? Bah, je vais redescendre, je vais essayer d'en mettre le courant, je sais pas. Je sais pas. Là, je sais pas du tout. Là, j'ai bien un autre briquet, j'espère. J'en sais rien. Non mais oh! C'est qui le patron? Verrouillé. Et si je teste ça? Ça marche pas. Ouais, d'accord. J'avance pas là. Hein. Ah, je peux rien faire du tout, quoi. Super. Bah, ça, c'est de la pièce utile, ça! JPP, j'ai... franchement, je ne sais pas quoi faire. Des photos. Des photos de la télé. Je veux pas. Bah, j'ai tout fouillé là en fait. Je peux faire ça? C'est pas le bon moment d'explorer ça. Ce sera quand le bon moment? Parce que là, en fait, je m'emmerde un peu. Non, je vais les inverser. Bon. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. Je m'agace. De stockage, ouais. Ah, il y a un autre cadre. Faut que je trouve tous les cadres, c'est ça? Aucune idée d'où je vais devoir les mettre, mais faut que je trouve tous les cadres. C'est chiant! Ah oui, si, je suis pas retournée depuis un petit moment.
c'est bon, j'ai pris mon truc de santé mentale, la ferme. Et partir aller ailleurs. Aïe, le poing. Arrête. Le poing dans la gueule. Ici, ça va mieux, ma santé mentale. Ça va être très chiant de trouver les cadres. J'ai l'impression que ton 3 milliards de pas, oui, c'est fait exprès, ils aiment bien. Ils aiment bien te faire entendre tes pas en décalé là. Faire péter un câble. Alors je trouve ces putains de cadres avec elle qui veut me buter en permanence. Ah, c'est une bonne reçoit. Je sais même pas combien de cadres je dois trouver. Hein. J'ai pas trop pu aller là-bas tout à l'heure. On va y aller. Non mais arrête. C'est giga pas le moment. Encore décomprimé, punaise. Comment ça a pu en avoir, hein? En fait, plus je trouve des cadres, plus elle m'attaque et du coup, voilà, ça commence à être l'enfer, quoi. J'ai entendu le bruit d'un cadre ici, c'est pour ça que je reviens ici. Genre ici. Ouais, assez relou, ouais. Oh putain, à chaque fois je me trompe.
Un sup et mon briquet. Ok. Le briquet ici. Elle fait exprès. Je l'ai eu. C'est très chiant. C'est super relou. Et ça, c'est ce que je reprocherais le plus au jeu, c'est que tu t'emmerdes à devoir chercher des objets qui sont cachés dans des endroits où tu n'as aucune idée. Voilà, tu n'as pas d'indice, t'as pas de logique. Juste, tu dois te démerder. Et ça, bah, c'est pas amusant. C'est ce qui fait que j'avais abandonné une première fois Visage, c'est parce que bah vraiment c'était pas intéressant quoi. Bon. Désolé, je suis tombée de touche. Là du coup j'ai qu'un cadre. Alors je sauvegarde après avoir trouvé l'autre. C'est vrai que j'y pense déjà. Là il y en a un. Je sauvegarde tout de suite. Je sauvegarde ici. On aura un en bas du coup. Je ne sais plus comment j'y suis allée. Mais en tout cas on les entend. Donc quand j'entends du vent, c'est pas la tempête. C'est un cadre. Faut que j'y pense. Ça, je prends. Là, il y en avait un. Je sais plus du tout où c'était. Là, peut-être. Oui, c'était là. Ok. Regardez, je sauvegarde là. On n'a plus qu'un cadre à trouver, j'imagine. J'en sais rien. J'en sais rien, j'en ai plusieurs. Ça se trouve, il y en a 15 à trouver. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je peux pas passer là, ça m'énerve. Il est où mon briquet? Il y en a un autre que j'ai jeté. Super. Bon. J'ai pas du tout fait exprès. Eh, franchement, je vais recharger ma partie, tant pis. J'ai fait tomber mon briquet, je voulais pas du tout. J'ai un animal, il s'appelle à lui. Ah punaise, le chat qui se cache dans ton placard. Mais jamais le même. Oula. Je descends. Je descends. Ah du coup j'atterris là. Rien ici, je vais partir.
Mais il disparaît. Alors j'en avais un deuxième en fait. Ah c'est bon. Il est là, il est là. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. On faut trouver un autre cadre. J'ai trouvé le précédent. Ok, oh. Ici. Il n'y avait pas de bruit ici, je pouvais pas ouvrir ça. Faut que je tende l'oreille. Voilà, un autre briquet. Sauvegarder en haut. Parce que je pense que j'ai assez exploré en bas. Donc si je dois rip-hop, je préfère rip-hop ici. Ici, il n'y avait pas un bruit tout à l'heure. C'est clé du garage, d'accord. Faut que je la trouve cette putain de clé. Il n'y a pas de bruit de toute façon. Mais merde, je vais ouvrir. Allez! J'entendais rien ici, hein. Je regarde au mur. J'ai pas l'impression. C'est sûrement sur une vidéo qu'on voyait ça, sur des vidéos. J'ai 4 vidéos donc il en faut 4, des cadres. Mais ça va être très long de trouver quelle vidéo correspond à quoi, j'ai pas envie. J'ai envie de chercher comme ça. Quand je me colle ici, c'est de l'autre côté. Non, là j'entends plus rien. Bah non, j'entends plus rien. Dans le frigo. Dans le réfrigérateur. Dans les placards de là-haut. Ah, j'arrive pas à les ouvrir. Je peux pas sauter. Four. Ma santé mentale elle va pas très bien. Je vais essayer de me mettre je sais pas. Bah là ici ça va mieux apparemment. C'est peut-être juste le frigo que j'entendais en fait.
Ou alors, faut que je trouve la clé d'une pièce, genre celle-là. Mais j'ai pas trouvé de clé avec un miroir. Charge la partie parce que comme ça me fait économiser du briquet, même si j'en ai un de rechange. À économiser vu que cette recherche va être ultra giga long, je pense. Longue. Vais peut-être tenter retenter les vidéos, mais quel enfer. Je peux pas aller voir les cadres. Moi, je vais juste les examiner. Alors, j'ai trouvé. Okay. Ah non, mais on voit rien quoi. Mais bon, j'ai 4 VHS, on va tenter, hein. Non, je voulais faire mon briquet. Là, ça utilise pour rien là. Oui, bah ça, je peux pas encore y aller là-haut. Il y a des bouts de carrelage en gros plan. Ah, c'est clair que ça nous aide pas beaucoup, hein. Ah, mon perso va mieux quand je vais ici. Voilà. Bah, je vois pas le titre, donc c'est chiant. Le machin mission. Mais il y a du son là. Un mur cassé, mais j'ai rien pour casser un mur. Donc ce sera plus tard. Un carrousel, tout à fait bien reconnu, Antémonia. Je crois que c'était dans une seule vidéo où on voyait plein de bouts d'endroits qui ressemblent au cadre, mais je sais pas laquelle c'était. De toute façon, bah j'arrive pas à voir laquelle correspond à quoi dans mon inventaire, pardon, pour le bâillement. Ouais. C'est pas celle-là, je pense. En plus, c'est long entre les passages avant de trouver un truc. Ah, voilà. 1, 2, 3. Il y avait combien? Je sais pas si en dessous c'était un grand cadre. Ouais, je regarde sur. Pour mon. Sur mon autre truc. Twitch. 1, 2, 3. J'ai cru voir 3 cadres. Ouais, je sais pas. Ah, ça me dit les endroits. Ouais. Une chaise. Celle-là, faut que je la revoie. Attendez, on va la remettre. Merde. Ok, c'était bien ça. Alors, retenez bien le chat.
Vas-y, je vais prendre en photo. Trop long. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Santa fiesta. Alors. Allez, je vais faire les photos. Même si là, bon bah, je suis juste en train de... Allez, enlevez-moi ce gosse en gros plan, s'il vous plaît. Ça me saoule. Non. Ça, j'ai peut-être déjà pris. Ça, j'ai déjà pris, je prends pas en photo. Ça, je sais pas. Ça, normalement, j'ai déjà pris, si je reconnais bien. D'où je prends votre ça. Ok. Bon. Pire, j'allais se tourner. Pire. Alors. Ça, du coup, ça me fait des photos ultra glauques. Un endroit avec une chaise. On a une chambre. Je vais remonter. Avant. Attends, endroit avec une chaise. Non. Ok, reprends sa respiration. Oui, tu peux respirer, Tigridou. Ah mais ça devait être... Ah non, l'endroit dans le placard, j'ai déjà... C'était une autre image. On va prendre un petit peu sa respiration ici. Ah, ça me fait penser au jeu d'apnée, la santé mentale. Tu retiens. Qu'est-ce que tu puisses respirer? Pas ici. Je fais exprès, mais c'est pas grave. C'est Sam, moi, Sam. Bah, c'est peut-être pas une chambre alors qu'on a vue. Parce que bah là, je les ai tous faites, je crois. Elle est où la chambre du grand? Là, la gamine. Là, il y a le bural. Bon, je tourne tellement vite que la main avec le briquet n'arrive pas à suivre. J'avais pas vu ça. Mâchoire de mannequin. Là, je vais sauvegarder quand même. Pour une mâchoire de mannequin. Quand même, quoi. Ah là, c'est la chambre du grand, il y a une chaise, mais voilà, c'est pas le bon placement. Ah, c'est pas une chambre. Ok. Ça va, Sam? Il y a des traces partout sur la caméra. Écoute, on s'en fout, hein. On a d'autres problèmes. À quoi ce bout de chaise là? On a perdu Sam là. C'est possible. Bon tryhard sur Folgiz, Sam. Une chaise comme ça, où est-ce qu'elle pourrait correspondre à quoi?
c'est trop lourd. Ah, attendez. Non. Je crois que si je me mets ici, la santé mentale remonte. Ouais, ouais. Quand tu regardes par la fenêtre, la santé mentale remonte. Bah diminue rapidement tout le temps. Hein. Vous êtes mignon. Non mais c'est chiant, allez là. La santé mentale remonte à un moment. Hein. C'était pas ici sorti aujourd'hui, on le verra demain. J'arrive pas à voir à quoi ça correspond, ça m'agace. Oh non, ma dernière photo, elle est foirée. En vrai, je vois pas à quoi ça correspond les photos. Il y en avait 5, c'est ça? J'ai 5 cadres à trouver. Tu m'as mise dans la tête, Antémonia, merci. Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui. Attendez, je vais charger là. Là. J'ai envie de regarder Sakura, chasseuse de cartes, ça me manque, c'est vrai? Pourquoi pas, ouais, je sais pas. J'étais pas plus fan de ces types de trucs. De séries. Bah, la musique était sympa. J'ai un beau souvenir de la musique. Je vais pas descendre tout de suite, hein. On va explorer. Ah! Ah bah j'ai déjà trouvé un cadre ici. Ok, ça, ça correspond à une photo, je crois. Ouais, là où il y a la plante. Ok, bon, ça, c'est trouvé. Hop, je prends la photo. Bon, je sais toujours pas où il y a ce bout de chaise. Une chaise comme ça, un peu. Sauf qu'il y a deux meubles derrière et... Ça a l'air d'être en face d'un truc, mais je vois pas ce que c'est. On a évité de rester en obscurité trop longtemps, hein. Ça changera quoi, en vrai? J'arrive pas à éteindre mon briquet, ça va pas. Je te dis que ton briquet est presque vide, mais il ne te laisse pas la possibilité d'éteindre le briquet. Ballot quand même. On va regarder. Hein. Générique qui ressemble à Barbie Girl. Oh. Moi je me rappelle. Ça me... Ouais, non, je sais pas, ça me fait pas penser à Barbie Girl. Mais je me rappelle mal, je me rappelle plus du début. Bon. Mon premier anime préféré. Ouais, ouais, c'était sympa, c'était sympa. Enfin, un peu vieilli quand même maintenant. C'était quoi cette image? Ah, c'était peut-être...
Va tendre l'oreille si tu entends un peu un bruit de tempête, de vent et un peu de des voix murmurées. Ça veut dire qu'on est près d'un cadre. Faites attentive. Regarde, il n'y a pas un petit briquet qui traîne. Ah non, ça je crois que c'est le frigo de l'autre côté, je m'étais déjà fait la réflexion. Donc ici on a déjà pris. Par là, il y a quoi par là? Allez, t'es près d'une fenêtre, tu te vois, t'es en super forme. Mais si ça se trouve, faut que j'ouvre ces portes, hein. Moi, j'ai pas trouvé de clé avec un miroir machin, là. Non, par là, on a déjà trouvé. Par là, il y a quoi, déjà? Il y a ça, et puis il y a storage room. Déjà trouvé ce qu'on devait trouver. Ah, attendez. Y'a pas une chaise ici? Non. J'y croyais, mais non. C'est pas ici. Faut que ma santé mentale remonte là. Là, y'a une lumière ici. Comment ça se fait qu'il y a une lumière ici? C'est pas normal. Bon, ici, il n'y a clairement pas ce que je cherche. C'est chiant. C'est franchement chiant. Une petite marche. Oh. Je vois pas à quoi correspondent les photos que j'ai vues en fait. Il y aurait pas un truc ici. C'est insupportable, hein. Franchement, chercher des trucs pendant des heures. Je m'entends du mannequin. Ah. Ah, faut que je redescende. Enfin, j'arrive. Je m'en mets de la santé mentale. Attends, je vais descendre. J'ai oublié par où c'était. C'est tellement sombre tout le temps, quoi. Elle a failli me pécho, hein. Merde, c'est par où? Je passe par la cuisine, je passe par là-bas, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Par où le truc du mannequin? Par là? Non. Lucie m'a levé. Mais je suis même pas sûre que ce soit Lucie, c'est l'esprit qui la hante. Mais Lucie elle-même. Elle l'air sympa. Exprès ça? Oui. Gigi un témoigna. Peut-être que je vais pouvoir ouvrir les portes qui manquent. Mais quel bruit horrible. Mais oui, non mais les asthmatiques ça fait très peur. Au moins d'allumer pour l'instant. J'ai peur quoi. Ok. L'asthmatique et je fais peur à personne.
Si, si, si tu fais... Dans le fond, c'est un mur invisible. Ouais, c'est ça. J'ai pensé à ça aussi. Vas-y, roule dedans. C'est pas Elden Ring. Attrape-pile, attrape-pile. Je vais vraiment pas allumer parce que je vois rien en fait. Oh la vache. La position était surprenante. Bon, je redescends du coup parce qu'il ne m'a pas laissé continuer d'explorer. Ah, là c'est allumé. Ouais, toujours rien. Faire comme ça pour m'opérer. Là comme ça, voilà. J'ai pas monté les escaliers, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors je retente ça. Non. Je vais faire ça parce que sinon je sais même pas si je marche droit. Voilà. L'horloge, la zig. Ah, je vais voir l'horloge d'abord. Même si je pense que je pourrais rien faire. Si. Attends, je veux voir quand même ça, ce que j'ai vu là. Ah ouais, ça me dit comment... Comment l'empêcher de me faire chier. J'avais déjà compris, hein, ça va. Hein. Je suis pas teuteux, hein. Derrière moi. Ah un TK à fond. Du bazar. Le jeu qui t'a dit comment survivre à la fin. À la fin, oui, c'est ça. C'était ça qu'il fallait faire en fait. En fait, c'est ça. Ah, tout fait un drôle de bruit, je trouve, dans le jeu. Y'a rien qui va... Je recommence tout ? Moi, oh, je monte direct, hein. Pour pas la teuter, hein. Ça fait très penser à l'intro de Resident Evil, enfin la démo de Resident Evil, Silent Hill. Le jeu qui est jamais sorti, mais ils ont fait une démo et c'était complètement comme ça. On errait dans des couloirs qui changeaient, qui évoluaient, où il y avait des trucs qui tombaient comme ça. C'était complètement, complètement le même genre. Nah. Thank you.
Je veux pas qu'elle me repêche chaud. Hein. Sauvegarde auto. On va sauvegarder. J'ai une sensibilité un petit peu basse, alors faut faire des très grands gestes. Merde, à chaque fois pour ouvrir les portes. Allez, ouvre! Bon. J'entends plus de bruit là. Peut-être pas que je la trouve. Fallait pas que je la trouve. Merde. Moi je la cherchais, je pensais qu'il fallait que je la trouve. Je peux faire. Oh le bruit, deux fois. Trouver ! Ouais, bah faut pas la trouver en fait. Mais c'est qu'est-ce qu'il faut que je trouve dans ce cas-là ? Merci pour les 100 bits. Les 100 bits parfaitement adéquats. Bah si j'ouvre... Mais ça me sert à quoi d'ouvrir des placards alors ? Non mais du coup, quel est mon objectif ? Y'avait rien dans les placards. Oh, par contre, est-ce que je peux utiliser... Si, je le sens bien. Hein ? Ah, faut que je trouve un truc. Le temps qui se met. Faut j'en trouve plusieurs, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du coup, faut que je trouve d'autres poupées russes? Ah, faut peut-être que je prenne des photos des fois des placards. Oui. Possible ça. Ah. Je trouvais une poupée, mais vraiment autre chose à trouver? Ou alors j'essaie de partir maintenant? Attends, je vais essayer de partir, je vais voir si ça fonctionne. Bon. Non. Je tente celle-là. Ah là, je commence à avoir tout ouvert sauf une seule, quoi. Là, je suis pas ouverte. On va voir. Ah ! Mais dans ce cas-là, si je dois trouver des objets, c'est pourquoi c'est des poupées ? Ça me gonfle. Encore un, voilà, c'est ça le principe de visage quasiment tout le temps. Juste tu dois tourner en rond pour trouver un truc sans savoir même pourquoi en fait. Et c'est très chiant, j'aimerais bien qu'il y ait une logique. Là, typiquement, bah ok, je cherche des poupées. Mais bon.
qu'est-ce qui... Je comprends pas. Oh, super jeu, on dirait. Mais c'est ça, hein. Visage, il est vraiment adulé par plein de gens. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais moi, je le trouve... voilà, je trouve que son gameplay est moyen, quoi. Dans... Layers of Fear, il y avait beaucoup plus d'originalité, beaucoup plus de trucs. Je sais pas, c'était... Allez, je t'en tue, là. Rien. Avoir un briquet à la main, pardon, et ne pas pouvoir l'utiliser, ça m'énerve. Dire que c'est bon. J'ai pas envie de tout recommencer à chaque fois. Alors. Dans celui-là et l'autre, il y en a un. Il faut que j'ouvre. Franchement, je tente celui-là. Non, je tente pas celui-là. Ah ouais, je peux quand même. Je peux quand même ouvrir et fermer. Oh, mais attends, il y a un truc qui s'est fait. Mais voilà, ça sert à rien. Oh, mais j'avais pas vu, j'avais pas vu. Let's go. En fait, c'était bon. J'avais la suite. Je savais pas. Oh, trop marrant. Ça, j'aime bien. Non, mais ouvre. D'accord, je peux pas ouvrir, je crois. C'est rigolo. Vas-y, c'est pas moi, ça. Encore du bordel. Mais non, c'est juste que les meubles sont à l'envers. Oh, le petit panda. Sympa. La pièce fout cher. Hein. Rien, mais je peux quand même interagir avec des trucs. Je vois rien du tout, quoi. Bon, je vais attendre de pouvoir voir quelque chose. Vous ne pouvez pas... pas placer cet objet. Ramasser. Attendez, si je fais... placer cet objet, c'est-à-dire... Voilà, je disais bien, parce que j'ai un truc à la main et je peux pas l'enlever. Oh bah ça va pas me gêner, ça. Je vais mettre dans la salle des fougères. Quand je récupère mon briquet quand même, il était bien encore. Voilà. Ah, je reviens là. Ok, mais est-ce que j'ai tout exploré alors là-bas? Bah non, mais je vois rien. Un peu chiant d'essayer d'explorer quelque part quand tu... Bah juste c'est la nuit noire. Ok, bon. Hello, Ravenwerk. J'ai un parasite avec les chaises. Pourquoi t'as une canette? Écoute, j'en avais 6 à la base, mais apparemment, j'avais mes poches trop pleines. Moi, faut bien que... Voilà. Au bout d'un moment, faut bien que j'ai quelque chose qui me motive. Alors, j'ai pris toutes les bières que j'ai trouvées dans le frigo. Ça me rassure d'avoir mes bières. Encore ? Ah, il me fallait que je le refasse. Je l'avais pas déjà fait. Oh, maintenant c'est allumé. Voilà, comme la dernière fois. Ok. Ça, c'est toujours bloqué. Là. Je vais rien voir. Ok, ok.
Alors c'est fantastique. Je vais me reculer sinon. Non, c'est chiant, j'ai aucun. Aucun repère visuel. Qu'est-ce que je peux faire? Pervers qui se met dans des positions cheloues. Ouais, je trouve aussi que c'est une technique de drague un petit peu appuyée quand même. J'espère que vous allez bien. Bah ça va, ça va. On se promène dans une maison depuis le début du live. Bon, c'est... voilà quoi. J'essaie de comprendre ce que je veux de moi. C'est horrible de devoir se repérer à l'appareil photo, ça défonce les yeux. Je déteste quand ils font un canne effort pour nous permettre de nous repérer. On va prendre les nounours. Faut que je fasse un truc ici. Je sais pas quoi, mais il faut. Est-ce que j'ai eu ma télé? Il est comme ça. Ah, le tapis! J'avais pas vu. Let's go! Allez, vas-y! Interagir. Le moral, c'est pas ça aujourd'hui chez moi. C'est vrai, Raven? Eh ben, écoute, j'espère que cet univers doux et chaleureux dans lequel on est actuellement pourra t'aider à aller mieux. Ouais, j'ai eu des trucs chiants qui me sont arrivés aussi. Je me suis dit, allez, petit jeu d'horreur là, histoire de bien de s'enfoncer un peu. Oh! Oh, oui, carrément! Ah oui, t'es sur Lost Judgment. On pouvait fumer pour se reposer dans Lost Judgment. C'est pas le... J'ai eu un jeu comme ça aussi, à fumer pour quelque chose. Je sais pas si c'était pour se reposer, mais... Ça me sert à quoi d'avoir fait ça? Ah, ça a peut-être du coup libéré un truc là, de l'autre côté, genre. La poutre de Mamako. Ah, la poutre était balèze, ouais. Il n'y a plus l'ombre. J'en doutais un peu. Porte bloquée. Oui. Je sais pas laquelle. Du coup, je suis descendue. Laquelle était bloquée? Bah si, c'était pas des portes bloquées. Je vais voir de l'autre côté. Toutes les portes étaient ouvertes ici. Attendez, oui, non, faut que je descende, je crois. Ah oui, celle-là, j'avais oublié. Bon, toutes les portes là, je pense qu'il n'y a pas moyen. Ah si! Les fringues, celle-là. Les fringues, celle-là. Une porte. Des fringues. Une porte. Un couloir. Là encore une fois, ça fait vraiment penser à la démo.
grosse poignée. Clé verrouillée. Clé rouillée, pas verrouillée. Ça veut rien dire, clé verrouillée. Clé rouillée. Ok. Je veux me repérer avec un peu de lumière, bordel. J'ai un briquet à la main, laissez-moi l'allumer. Plutôt que de devoir faire ça tout le temps, là. Clé rouillée. Un placard à clé, ça. Je reconnais. Ah. Ou pas. Ah si. Oui, complètement, c'était un placard à clé. Je savais. Ah bah, y'a quoi? Voilà. Non, c'est celle-là. Ah, une sauvegarde, tiens. Ça fait giga longtemps. Je peux pas faire une sauvegarde, tiens. Bah, c'est ballot. Ouais, t'as pensé à la même chose que moi en témoignage, mais on peut pas. Oula, ma manette qui vibre de fou. C'est chiant, ça m'empêche de passer. En tout cas, ça vibre. Hein. Dès que je m'approche de ça, la manette, elle vibre de fou. Je joue clavier souris, mais la manette est juste à côté et elle pète un câble. Ok. Faut que je trouve un moyen de passer. Je vais prendre une planche, genre ça. Ouais, je peux. Chiant, je vais être obligé de lâcher un truc. Voilà. Ah. Il faut faire un effort en fait. Non mais il faut faire... Que t'es con la planche en fait. Très bien. Attends. Voilà, je vais la lâcher. Non mais pourquoi ça se prend de traviole tout le temps? Mais elle est... Voilà. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non mais là, faut tourner en fait, faut faire un effort. Tu vois bien que je... Mais mes bras, ils sont censés tourner en même temps que moi. Tiens, putain d'effort, tiens. Mais vraiment, peu importe le sens dans lequel je me mets, la planche restera toujours dans le même sens. Fantastique. C'était où? Bon. C'était là-bas? J'ai oublié. Oui, c'était là. On y est presque. Franchement, on y est presque. On y est giga presque. Allez. Ah, je pouvais faire un truc F. Bah non. Attends. Examiner. Non, je m'en fous d'examiner, je veux... Je veux qu'elle passe. Allez. Allez. Non! Je veux la faire pivoter, je peux pas. Ah si, c'est bon. J'y arrivais pas. Tout à l'heure, j'appuyais, ça voulait pas. Ah ouais, le pivotage, il est trop parfait, quoi. Ah, ça m'a gonflé. Oh, la manette, c'est un bruit de moteur. Ça fait... Ah, c'est bon. C'est très marrant. Elle fait vibrer tout mon bureau. Et une save auto. Ok. C'est super bon signe en général dans un jeu d'horreur. Bon, je me prends pas la tête à aller aux autres escaliers. C'est pas un jeu d'explo. Elle vibre encore un peu. Oh merde! Attendez, je regarde sur la VOD. Ce qui vient de... Je regarde sur la VOD. Je regarde sur le... Attendez, attendez. Ah, j'ai 10 secondes de décalage au moins. Ah oui, il y avait une grosse tête. En fait, quand j'ai changé...
Ah non, c'était un mec tout nu. C'était pas une grosse tête. Pas le temps de voir. En fait, c'est quand j'ai pris la manette, ça a appuyé. Puisque bah, elle se rapprochait de moi, du coup, je voulais la mettre. Enfin, elle se rapprochait de moi. Elle faisait du bruit. Je voulais la rapprocher de moi pour la mettre sous le micro pour peut-être que vous l'entendiez quand elle fait. Quand elle vibre de fou. Et en faisant ça, j'ai appuyé sur le bouton du flash qui est sur la manette. Voilà, voilà pour la petite histoire. Hein. C'est fou ça. Tu reçois encore. Mais moi, j'ai raté, merde. J'ai même pas trop compris ce que c'était. C'est une grosse tête, on aurait dit plutôt, non? Je dis, monsieur tout nu, mais votez quoi? J'y vais. Je me doutais, hein, je... J'avoue, je suis du beau. Il y a eu une sauvegarde, on tente. Vous entendez? Est-ce que vous entendez la manette? Là, j'ai fait vibrer sur le micro. Voilà. Bref, c'est rigolo, elle vibre de fou. Et là, ça arrête. Alors, je vais pouvoir voir le truc. On va essayer d'analyser. Yo, ça va faire du bruit et tout et tout. C'est une grosse tête. Ah, et maintenant c'est un mur. Obligé puisque je vois rien. Mon proche, même pas de sursaut quoi. Oh, on escalade. C'est rigolo ça, ça change un petit peu. Enfin un petit peu de hauteur. Même si bon, on a toujours autant d'agilité qu'un paquebot. Ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse tout le tour comme ça. Voilà, et là ça marche. Petite photo. Ah, ça fait une photo du mur seulement. On vient ici. Ah, il y a des grosses griffes. Un truc qui me gêne? Trop longtemps dans l'obscurité. Non mais attends. Oh, ah, il est là. Il y a un cadre ici. Il y a un cadre ici, mais je sais pas où il est exactement. On a fait tout ça pour rien en fait, non? Il y a un cadre, vous entendez le bruit? Ah. On va déplacer ça? Ramasser. Il est là, bordel, ce foutu cadre. On en a chopé un de plus! Un code étrange, j'y ai écrit. Ah non, cadre étrange. Sauvegarder. Le mettre à la place de la une, parce que je sais plus où on en était. Ok. Les dodo JPP de la semaine. Mais juste rapide. Bon dodo. Je vais examiner, mais on verra ça plus tard. On va remonter. Et puis, bah... Ah ouais, on va suivre les griffes, tiens.
Je vais regarder la vidéo. Allez. On va regarder la vidéo. Pour juste voir combien de cadres il faut trouver. Je sais pas. Je n'ai toujours pas trouvé. Hein. Supprimer les photos. Je me suis contagieux, je me suis un peu fait mal. Je viens de voir que j'ai spam le chat. Ça va sinon vous? Petite tenté. Et t'es à fond, t'es à fond. Ouais, le truc des gardiens là et des voleurs, Sam, c'est vraiment... c'est assez chiant. Ouais. Mais j'avoue que ça m'est arrivé d'ouvrir sans faire exprès la porte des voleurs, alors je vais pas critiquer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 cadres à trouver. La preuve. Ouais, bon, ça va. Mon clip en plus. Oh non, mais please. J'ai pas fait juste gardien des voleurs, je veux. Franchement, c'est chiant. C'est vraiment pas marrant. Je sais pas comment les gardiens peuvent gagner. Je vois pas. Salut Skinia, pardon. Non, Skinla. Excuse-moi. Déforme ton pseudo. Tiens, elle, Skinla. Salut. La forme, bah ça va. On passe trop de temps sur ce chapitre, ça me saoule. Mais sinon ça va quoi. Ah, ça j'ai trouvé, là j'ai trouvé. Là je vois pas où c'est. J'ai trouvé. On a 5 en fait, pas 6. Bon, j'en sais rien. Je vais laisser la vidéo. Merde! Mais non, pourquoi j'ai ça dans la main et pourquoi j'ai pas cette putain d'appareil photo? Il est où mon appareil photo? Il est là. Qu'est-ce que tu fais là en fait? J'ai pris des comprimés pour R. Dégoûté. Je vais monter les escaliers pour voir un petit peu, ce qui se passe. Parce que là, ouais, il y avait des griffes et tout, on va suivre les griffes. On va mener jusqu'à la chambre de la gamine, j'imagine. Peut-être pas, en fait. Mon bécher est presque vide. Il est tout le temps presque vide, en vrai. Parce qu'en fait, j'ai pas d'autre moyen de m'éclairer, quoi. Voilà. Et du coup, les griffes, elles sont où? C'est l'horloge. Ah mais merde, j'ai pas d'autres briquets. Ah ouais, il y en avait ici avant, mais je les ai déjà pris. Oh, je suis trop en galère. Le briquet. Ça va être chiant, ça va être très chiant. En fait, derrière, j'arrive pas à voir si c'est un cadre ou pas. Allez, mène-toi! On s'en fout du chiard, là! Mais là, je sais même pas ce que je vois.
Un A6. Un A6 et j'ai plus de briquet. Ça va être trop chiant sans briquet. Ça va être trop chiant sans briquet. Je vois pas où je peux en trouver en plus. Hein. Celle de la chaise. Oui. Oui, tiens, celle de la chaise. Tu sais où c'est hanté? Tu m'avais dit que t'avais, tu t'avais reconnu, toi. Et bon, je cherche aussi du briquet, quoi, là. Mais c'est pour ma santé mentale. Oh, il y a un briquet. Mais oui, cette pièce a changé. Je viens juste de m'en rendre compte. J'ai un briquet. Alors je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Ouais, j'ai un briquet. Il est tout neuf. C'est fantastique. Je pouvais en trouver un autre. Ce serait la giga poilade. On n'est pas un, ça? Après tout, on n'est pas une bizarrerie près. Hein. Mais merde! Oh non, ça lag ici! Oh non, quand les endroits qui lag comme ça, ça fout le bordel. Moins d'ouvrir. Oui, mais le problème, c'est que là, en fait, je n'arrive même pas à interagir. Y a un truc dans la mémoire, mais je peux pas le voir. Je peux pas interagir avec non plus. Un peu bizarre, ça, non? Bah juste, on voit la statue de la Vierge à côté et sur un meuble. Miroir avec un grand cadre au-dessus de la chaise. Je vois pas où c'est, sorry. Ok. Non, mais ça, c'est vrai que j'ai pas fait attention aux détails à côté. Par contre, voilà, il y a souvent des endroits. Enfin, non, c'est la deuxième fois qu'on voit un endroit où ça lag comme ça. Bah, je peux pas sortir. C'est chiant. Ça m'arrange pas trop. Ah voilà. Je vais devoir attendre juste. On va attendre que le bain se remplisse, hein. Salut Fitty Fins, pardon. Bah ça va et toi? Je vais pas ouvrir, donc je vais attendre. Et j'ai déjà eu une zone qui laguait comme ça. En général, à la fin de la scène, ça lague plus, mais bon, là, ça a l'air d'être un peu long. Mais bon, c'est fini? Le bain, il a coulé?
pas, je teste. Hein. Interagir, j'avais pas vu. Ça rame du cul. Ah oh bah quelle... Bonne idée. Bon bah voilà. Et prendre un bain habillé tranquille. Bah de toute façon, voilà, on n'est pas logique, mais j'ai envie de dire pourquoi quoi, quand même. Un gros truc qui pousse entre les jambes, attention. Ah, c'est ce qui arrive tous les matins, ça. Bon, pas pour moi, mais il paraît. Je peux pas faire ce genre de blague. Bah, c'est bien la gamine, Lucie. Je pensais que c'était le démon. Mais en même temps, démon Lucie, c'est vrai que ça ferait pas. Bonhomme. Ouais, le bruit, c'est complètement The Grudge, ouais. C'est un chargement ou pas? Ah, peut-être pas, peut-être que je bouge. Ah oh, oui, d'accord. Pardon, pardon. Why would she do that? Les filles aussi. Nous, on voit pas trop la différence. J'imagine les tout petits trucs faire. Pardon, pardon. On n'est pas là pour parler de... De Dizzy et de Minette. Même si j'en parle à peu près tous les soirs. Pas en danger, nous n'avons pas vraiment le choix. Je lisais pas depuis tout à l'heure en vrai. Eh bien, qui donc prescrirait des seringues à une enfant? On pourrait pas simplement nous donner des médicaments? Comment un enfant pourrait-il faire confiance à un parent qui lui met une aiguille dans le bras? Ce nouveau médecin ne sait clairement pas ce que c'est qu'à être parent. Monster! Argument anti-vax. Comment on peut lui foutre une seringue, c'est dégueulasse. Donc elle était malade, la piote. Elle va de plus en plus mal depuis que nous sommes allés voir ces fichus médecins. Des amis imaginaires et tellement de comportements étranges à présent. Elle m'appelle même plus maman. Essaye simplement de l'aider. Et pas de leur faute. Elle avait des problèmes avant que nous allions les voir. Elle a tué Pico, bon sang! Elle a tué Pico! Pico l'oiseau! Et oui, elle avait un oiseau, c'est pour ça qu'on voit plusieurs moments des cages et tout ça. Elle avait l'oiseau qui s'appelait Pico. Pico le perroquet. Les parents, le drogué Lucie, c'est des bâtards. Je veux juste dire... Attends, j'avais pas vu. J'ai regardé l'heure qu'il est minuit passé, stream est de toute façon totalement plus 18. C'est bon, il est minuit, on peut... Non, pas Pico, quel monstre, j'avoue. T'as eu des seringues. Allez, on retourne dans le bain. Dans le bain de mélasse.
Bon, allez, tu y vas, là? En plus, bon, bah, il y a un bruit de quand ça rentre dans l'eau, mais on n'a pas de jambes, alors c'est un peu... Tristoun. Il manque un truc, quoi. Bain de quoi? De mélasse. Un bain de mélasse. Oula, ça gémit un peu. Bain de pétrole. Ah bah putain, ça c'est un bas de riche, ça. Et là, ce bain de boue. Ouais, mais la boue, elle brille vachement quand même. Mais c'est bon, ça va. T'avais qu'à respirer dans ton rêve. Ça m'énerve. En tout cas, ça devrait plus trop laguer. Maintenant que la scène a été faite, je pense que c'est bon. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Est-ce que ça va? On voit la porte là-dessus! Ah oui, regardez, on voit quelqu'un! J'ai pas vu, je lisais. Ah ouais, c'est Lucie! Oh, peut-être pas! Ah voilà, on voit l'esprit qui entre Lucie. Oh, la fameuse mâchoire du mannequin! Elle lui a arraché la mâchoire. C'est pour ça qu'elle a du mal à faire des bruits, elle fait des... Elle a plus de mâchoire. J'imagine que c'est un bruit qu'on fait quand on a plus de mâchoire, je sais pas. C'est la question jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir, Grid. Peignoir. Comment d'ouvrir, Issa. Comment d'ouvrir. Va falloir m'ouvrir la porte au bout d'un moment, c'est casse-couille. Bon. Faut que je trouve la tête sûrement ailleurs, faut que je chasse la tête. C'est ça quoi de mettre une musique mignonne? Interagir. Laissez-moi ouvrir cette putain de porte, j'en ai marre! Interagir avec ça? Non. Non mais c'est bon. Je suis sûre que je suis censée partir là. Ah non, la mâchoire. Ah oui, non. Je veux la mâchoire. L'objet de progression sera dorénavant exposé dans la salle de progression. Et oui, j'avoue, des os. Du coup, j'ai fait le chapitre de Lucie? Ah bon, la fille. Et B? J'ai mis du temps à comprendre, mais c'est bon. On a fini le chapitre de Lucie. Le chapitre terminé, le jeu est loin d'être fini. Explorez la maison une nouvelle fois et découvrez de nouveaux objets clés qui vous ouvriront de nouveaux chemins. Allez dans la salle de progression pour vous sculpter votre degré d'avancement. Mais je sais jamais où aller cette salle. Je vais pouvoir couper la VOD là-dessus. Oh, je la coupe avec mon raccourci. Bisous la VOD.